learn and play. العب واتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين Amma Donc les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons aujourd'hui évoquer et expliquer quelques sens du verset le plus important du Coran, qui est Ayatul Kursi, le verset du Kursi. Donc le verset numéro 255 de la surat Al-Baqarah. Et on avait évoqué, on avait déjà vu l'importance de ce verset. On avait vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé au noble compagnon Ubay ibn Ka'b, il lui a dit, ya abal munzir, atadri ma a'zamu, ayatin a'zamu. Il lui dit Oh Abu al sais-tu quel est le verset le plus sublime que tu as retenu du Coran Et il a répondu Allahu la ilaha illahu al-Hayyul al le verset du Kursi, Ayatul Kursi. Pourquoi Parce que ce verset, tout ce verset du début jusque la fin, il nous parle d'Allah. Il nous parle de l'importance de rendre Allah unique, d'adorer Allah Azzawajal seul, sans rien lui associer. Et également. On a vu l'importance de réciter ce verset huit fois dans ta journée et dans ta nuit. Tous les jours, tu récites ce verset à huit reprises. Premièrement, tu le récites après la prière du Fajr. Quand tu pries la prière du matin et que tu as dit « Assalamu wa rahmatullah, assalamu wa rahmatullah », tu fais les dua les azkar après la prière, et tu récites Ayatul Kursi. Deuxième fois, après la prière du Zohar. Quand tu as prié la prière du Zohar, la même chose, tu récites Ayatul Kursi après la prière. Troisième fois, tu récites après la prière du Asar. Quatrième fois, après la prière du Maghreb. Cinquième fois, après la prière du Isha. Sixième fois, au moment de te coucher, lorsque tu vas dormir, avant de t'endormir, tu récites Ayatul Kursi. Septième fois, tu le récites le matin, dans la matinée. Et huitième fois, tu récites le soir, donc après la prière du Asar tu peux commencer à le réciter. Donc voilà les huit moments où tu vas réciter Ayatul Kursi. Les huit passages, les huit moments où tu vas réciter Allahu la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatou wa la na'oum lahou ma fis samawati wa ma fil arb مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا Ce verset, donc pour ceux qui le connaissent, dès aujourd'hui, vous allez le réciter les huit fois par jour comme on l'a expliqué. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, apprenez-le. D'accord Vous l'apprenez. Vous demandez à vos parents de vous le faire écouter chaque jour, chaque soir. Chaque matin, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes et tu vas l'apprendre. D'accord N'hésite pas aussi à demander à ton mualim ou à ta mualima de te l'enseigner. Parce que c'est le verset le plus important du Qur'an. Et ce verset, il comporte dix phrases. D'accord Ce verset, il comporte dix phrases. Dans ce verset, on apprend cinq noms d'Allah. Essayez de les retenir avec moi. Celui qui connaît Ayatul Kursi, il a déjà appris cinq noms d'Allah. Le premier, c'est Allah. Répétez, même si je ne vous entends pas, répétez Allah. Le deuxième, Al-Hayyo. Al-Hayyo. Le troisième, El Qayyum, El Qayyum. Le quatrième, El Al Ali, El Al Ali. Et le cinquième, El Azim, El Azim. Donc retenez ces cinq noms. Allah El al Hayy El Qayyum El al Ali El al Azim. Voilà les cinq noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala présents dans Ayatul Kursi. Et on peut voir que ce verset, il commence par Allahu la ilaha illahu. Allah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Donc, on voit que la première phrase de ce verset, ben c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Répétez là Ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah et sachez, les enfants, que cette parole, La ilaha illallah, c'est la parole la plus importante de ta vie. C'est la parole la plus importante de ta vie. Ta bouche ne peut rien dire de meilleur que La ilaha illallah. Et cette parole. Elle fait partie des quatre paroles les plus aimées auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis la ilaha illallah, tes péchés, ils tombent. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près d'un arbre. Il a pris l'arbre et il l'a secoué. Il a secoué l'arbre. Et lorsque l'on secoue un arbre, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles, elles tombent. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, dans le sens de sa parole, que lorsque la personne elle répète Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, et la ilaha illallah, ses péchés tombent comme les feuilles tombent de cet arbre. Ses péchés tombent comme les feuilles tombent de, de cet arbre. C'est pour cela qu'il est important de répéter cette parole. La ilaha illallah. Aussi, cette parole, ce n'est pas une parole qui n'a pas de sens. Ce n'est pas une parole qui veut rien dire. Ce n'est pas simplement des, des, des mots à répéter. Non. Cette parole, elle veut dire une chose très très importante. Cette parole, elle nous renvoie vers le message le plus important du Coran. Parce que tous les prophètes, tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répété la même parole La ilaha illallah. Alors il est important, comme on a dit, de répéter cette parole, puisqu'à force de la répéter, Allah il va t'aimer. Et on avait déjà cité qu'à chaque fois que tu répètes une de ces quatre paroles, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah et Allahu Akbar, Allah il te plante un arbre dans le paradis. Tu imagines? Tu dis La ilaha illallah, tu gagnes un arbre dans le paradis. Tu dis Subhanallah, tu gagnes un arbre dans le paradis. Tu dis Alhamdulillah, tu gagnes un arbre dans le paradis. Tu dis Allahu Akbar, tu gagnes un arbre dans le paradis. Et si tu as plein d'arbres, plein de palmiers dans le paradis, ça veut dire que tu auras, tu auras un grand parc dans le paradis. Tu veux un parc dans le paradis? Alors, il faut que tu répètes beaucoup ces paroles. Mais, lorsque tu répètes ces paroles, il faut également que tu comprends ce qu'elles veulent dire. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois savoir que c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Eh oui. La ilaha illallah. C'est la clé du paradis. C'est la plus belle parole que l'on peut prononcer. Les enfants, sachez qu'Allah Azza il a créé la terre. Il a créé le ciel. Il a créé la terre et il y a sept terres. Il a créé le ciel et il y a sept cieux. Pourquoi Allah Azza wa a créé les cieux et la terre? Bah pour que l'on dit la ilaha illallah. Allah wa il a créé les êtres humains. Pourquoi Allah, il nous a créé Est-ce qu'Allah, il nous a créé pour manger, pour dormir, pour jouer, pour pleurer? Non. Allah wa il nous a créé pour que l'on dit la ilaha illallah. Pour qu'on applique la ilaha illallah. C'est-à-dire, Allah il nous a créé pour qu'on va l'adorer que Lui. C'est ça, la ilaha illallah. Ça veut dire, je vais adorer que Allah. Et je n'adorerai jamais quelqu'un en même temps qu'Allah, ou avec Allah, ou en dehors d'Allah. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est... C'est Allah. Très bien. Répétez. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est... Exactement. C'est Allah Azzawajal le seul qui mérite d'être adoré. Puisqu'il y a des gens qui adorent des statues. Est-ce qu'on peut adorer des statues? Il y a des gens qui adorent des animaux. Est-ce qu'on peut adorer des animaux? Est-ce que je peux faire la prière devant une vache? Est-ce que je peux faire la prière devant un singe? Est-ce que je peux faire la prière devant un éléphant? Eh ben, il y en a. Il y en a. Il y a des messieurs et des madames qui ne connaissent pas la ilaha illallah. Eh ben, ils font la prière devant des singes ou devant des vaches ou devant des éléphants ou devant d'autres animaux. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas la ilaha illallah. Eh ben, ils font la prière devant le soleil ou devant le feu, ou devant la lumière, ou devant la lune, ou pour les étoiles, il y en a qui ne connaissent pas la ilaha illallah. Et au lieu de demander à Allah de guérir leur maladie, et eh bien ils accrochent un collier, et ils pensent que ce collier, il va guérir leur maladie. Ou ils mettent un bracelet, et ils pensent que le bracelet va guérir leur maladie. Ou ils vont mettre un collier avec une main, qu'ils appellent la main de Fatma. Et ils pensent que la main, elle va les protéger. Est-ce qu'une petite main sur un collier, elle peut nous protéger Non. Qui nous protège C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. D'autres, ils vont mettre un bracelet, un collier, un bijou avec un œil. Et ils pensent que l'œil, il va les protéger. Est-ce que c'est un petit œil qui va te protéger Non, c'est Allah Tabaraka ta'ala. C'est pour cela, les enfants, lorsque tu récites Ayatul Kursi et que tu commences par dire il la ilaha a tu dois penser à ce que l'on dit. Tu dois penser que seul Allah, tabaraka wa ta'ala, mérite d'être adoré. Et tu dois promettre à Allah, que tu vas adorer que lui. Que tu ne vas adorer personne d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, il est important, les enfants, de savoir que la ilaha illallah, elle a deux piliers, deux choses importantes à connaître. La première des choses, c'est quand tu dis la il a". La première partie. Quand tu dis la il a", c'est comme si que tu dis non avec ta tête. La il a. Tu dis non avec ta tête. Tu dis non avec ton cœur. Tu dis non avec tes actes, avec tes membres. Pourquoi tu dis non? Quand tu dis la ilaha, ça veut dire que tu ne vas adorer personne. Je n'adore personne. Personne ne mérite d'être adoré en vérité. Mais est-ce que ça suffit de dire la ilaha Non, il faut la deuxième partie. Et là, je dis oui. Ilallah. Je dis oui avec ma tête, je dis oui avec mon cœur, je dis oui avec mes membres. La ilaha illallah, je vais adorer que Allah. Seul Allah, tabaraka wa ta'ala, mérite d'être adoré. Voilà les deux parties, les deux piliers, les deux sens les plus importants de la ilaha illallah. Et sachez, les enfants, que le jour, où on sera ressuscité, puisqu'un jour on va tous mourir. Et ensuite Allah il va nous faire revivre, il va nous ressusciter. Et bien sachez qu'Allah Azza wa Jal, il va nous poser des questions. Et parmi les questions qu'Allah il va nous poser, Allah Azza wa Jal il va nous demander, kuntum tabudun. Qu'est-ce que tu adorais dans cette vie? Qu'est-ce que tu adorais? Quelle est la divinité, le Dieu que tu adorais? Et bien si tu as dit Allah ilaha illallah, et bah tu pourras répondre que tu as adoré Allah. Que c'est Allah Azza que tu as adoré. Et si tu as adoré Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu pourras accéder au paradis. Et la deuxième question Wa Avez-vous répondu aux messagers, aux envoyés, aux prophètes Et c'est pour cela que celui qui a dit Ashahadu Anna Muhammad Rasulullah. Lui, celui qui a dit, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il a accepté d'adorer que Allah et de suivre la sunnah, de suivre les, les faits, les gestes, de croire en tout ce que le prophète. Sallallahu alayhi wa nous a dit de s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit, de croire en toutes ces informations et d'être soumis à tout ce qu'il nous a ordonné. Celui qui a dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, il accédera au paradis et il aura un paradis merveilleux. Également, il est important, lorsque tu dis « allah la ilaha illahou », de savoir que ce verset, il commence par le nom le plus important, par le plus beau nom d'Allah, qui est « Allah ». Et « Allah », ça veut dire qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Alors on va dire, ben, pourquoi c'est Allah qui mérite d'être adoré Et pourquoi je ne peux pas adorer un ange Pourquoi je dois adorer Allah et je ne peux pas adorer un prophète Ils sont gentils les anges. Ils sont gentils les prophètes. Pourquoi je dois adorer Allah et je ne dois pas adorer des animaux C'est gentil un animal. Pourquoi je dois adorer Allah et je ne peux pas adorer le soleil C'est beau le soleil. Pourquoi je dois adorer Allah et je, ne, et je ne peux pas adorer les étoiles ou la lune Parce que Allah, c'est lui qui possède les attributs les plus parfaits. C'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus grand. Et c'est lui qui t'a créé. Est-ce que c'est les anges qui t'ont créé Non. Alors est-ce que tu vas adorer les anges Non. Est-ce que c'est les prophètes qui t'ont créé Non. Alors est-ce que tu vas adorer les prophètes Non. Est-ce que c'est les animaux qui t'ont créé Est-ce que c'est le soleil, la lune, les étoiles qui t'ont créé Non. Donc je ne vais pas les adorer. Mais est-ce que c'est Allah qui t'a créé Oui. Donc comme c'est Allah qui t'a créé, comme si Allah qui te voit, comme si Allah qui te surveille, comme si Allah Azza wa qui t'entend, comme si Allah Tabaraka wa Ta'ala qui contrôle toute ta vie. Dans ce cas-là, c'est Allah Azza wa que je vais adorer. Dans ce cas-là, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala que je vais adorer. Et sachez qu'Allah il est parfait. Sachez qu'Allah il est parfait. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal il dit Allahu la ilaha illallahu al-Hayyu al-Qayyum. Et on a dit les enfants que la ilaha illallah, on doit dire cette parole avec la langue, avec le cœur et avec les membres. Alors comment on dit la ilaha illallah avec la langue, c'est facile. Je répète La ilaha illallah. Et je dis toutes les choses qui sont en accord avec La ilaha illallah. Mais comment je peux dire La ilaha illallah avec le cœur C'est-à-dire que dans mon cœur, je reconnais, je sais, j'atteste, je témoigne, je suis sûr. Je crois, je n'ai aucun doute que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Je suis certain et je promets à Allah Azza wa que je vais l'adorer toute ma vie. Toute ma vie, je vais l'adorer et je ne vais jamais adorer autre que lui. Voilà comment tu dis la ilaha illallah avec ton cœur et également avec tes membres. Comment tu dis la ilaha illallah avec tes membres? Et eh bien, tu vas faire la prière pour Allah, tu vas jeûner pour Allah, tu vas dire des choses pour Allah, tu vas aimer Allah Azza wa Jal, etc. D'accord, les enfants Donc, il est important de s'accrocher à cette parole et d'être musulman jusqu'à votre mort. Ensuite, comme on a dit, Allah Azza il est parfait. Allah, Tabaraka wa ta'ala, il est parfait. C'est pour cela qu'on a appris, Allah Jal il cite deux autres noms. Al-Hayyul Qayyum. Donc, premier nom, Allah. Deuxième nom, al hayy al Hayyu, cest c'est-à-dire qu'Allah, Tabaraka wa ta'ala, il est le vivant. Allah, il a une vie parfaite. Nous aussi, on est vivants. Mais est-ce que notre vie, elle est parfaite? Est-ce que notre vie, elle est éternelle? Non. Il y a un jour où on va mourir. Mais Allah Azza هو الحي الذي لا C'est celui qui est vivant et il ne meurt jamais. Allah il ne va jamais mourir. Allah wa Ta'ala, il ne meurt pas. Mais nous, nous allons mourir parce que notre vie, elle n'est pas parfaite. Mais Allah, wa ta wa ta'ala, sa vie, elle est parfaite. Cela ne s'arrêtera jamais. Il n'y a personne qui était avant Allah. Il n'y aura personne qui sera après Allah, tabaraka wa ta wa ta'ala. Également, Allah azawajal, il dit al -tayoum. Parmi les noms d'Allah, سيك الله تبارك وتعالى إلَى القيوم ايتادير كالله تبارك وتعالى نابوزوان دو بيرسون الله عز وجل لا besoin de personne الله عز وجل الجيد القران يا ايها الناس انكم الفقراء الى الله اوه vous les gens vous êtes pauvres. Vous avez besoin d'Allah. Nous avons besoin d'Allah. Mais est-ce qu'Allah a besoin de nous? Non. Est-ce qu'Allah a besoin de nos prières? Non. Est-ce qu'Allah a besoin de notre, euh, de notre jeûne? Non. Est-ce qu'Allah a besoin de notre argent? Non. Allah Jalla n'a pas besoin de nous. Mais c'est nous on a besoin d'Allah. C'est nous on a besoin d'Allah. wa ta'ala. Donc retenez les enfants, ces trois premiers noms, Allah, al Hayyu, al Qayyum les trois noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, on a cité qu'Allah Azza wa c'est lui, le il est parfait, il n'a aucun défaut. Retenez, Allah Azza wa n'a aucun défaut, c'est pour cela qu'il dit... لا تاخذه سنه ولا نوم الله عز وجل il ne dort pas الله تبارك وتعالى il ne dort pas الله عز وجل il ne jamais fatigué الله عز وجل il ne jamais malade الله تبارك وتعالى il ne dort pas pourquoi parce que le fait d'être fatigué Le fait de s'endormir, ça c'est des faiblesses. Nous, l'être humain, on est faible. Quand on a besoin de dormir, ah, oh, quand on est fatigué, on a mal à la tête, il faut qu'on aille dormir, on n'est pas bien. La même chose quand on a faim, quand on a soif, on n'est pas bien, notre tête elle tourne, etc. Tout ça, c'est des faiblesses que l'être humain il a. Mais Allah, Azzawajal, il n'a aucune faiblesse. Allah Azza wa Jalla n'a aucun défaut. Allah Tabaraka wa Taala il est parfait. Et comme il est parfait, il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de se reposer. Subhanahu wa Taala. La t'akhudhu sinatou wa la Lahou ma fi samawati wa Également, comme Allah Azzawajal, il est parfait. et ben, sa royauté, son royaume, il est immense. Le royaume d'Allah Tabaraka Wa Ta'ala, il est immense. Allah Azzawajal, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre tout appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans les terres, tout ça, ça appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui possède le véritable royaume, c'est lui qui possède la royauté absolue. C'est pour cela qu'Allah il dit Qulillahum al mulk Dis, oh Allah, le roi des rois. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu enlèves la royauté à qui tu veux. C'est-à-dire que dans cette ville, il y a des rois. Mais leur royaume, il va disparaître. Regardez tous les rois que vous connaissez. Est-ce qu'ils ont encore leur château? Est-ce qu'ils ont encore leur palais? Non. Leur royaume est voué à disparaître. Mais Allah Azza wa c'est Lui qui possède le royaume absolu. C'est Lui qui possède le royaume absolu. Ensuite, Allah Azza wa dit: <t 'as muches> Comme Allah wa ta ala, est parfait, il n'y a personne qui peut faire quelque chose sans lui demander son autorisation. Sans lui demander l'autorisation à Allah. Tabaraka wa ta ala. Il n'y a personne qui peut intercéder sans sa faveur. Ça veut dire quoi intercéder ben, Je vais vous donner l'exemple du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens seront réunis au jour dernier, lorsque tout le monde va mourir, ensuite Allah Jalla va faire sortir tous ceux qui sont morts de leur tombe. Et tout le monde, ils attendront en un jour très très long. Et là, tous ceux qui ont adoré Allah azawajali, ils iront voir. Le prophète No le prophète Adam, ils diront « Ya Adam, tu es le premier des êtres humains. Allah Azza wa t'a créé de sa main. Demande à Allah de commencer le jugement, car l'attente est très longue. Et là Adam il dira « Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Ce jour-là, Allah Azzawajal, il sera en colère. Et il va les renvoyer. Adam, il va leur dire, allez voir autre que moi. Allez voir le prophète. Noah. Et ils iront voir Noah. Et Noah, il dira la même chose. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Allez voir autre que moi. Et ils iront voir Ibrahim. Et Ibrahim dira la même chose. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Allez voir Moussa. Allez voir Isa. Jusqu'à ce qu'ils iront voir le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam ira. En dessous du trône d'Allah Azza wa Jal, il se prosternera. C'est-à-dire qu'il va demander l'autorisation à Allah Azza wa Jal de parler. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dira Ya Muhammad, irfa'a ra'sak, sal wa shfa'a tu Muhammad, relève la tête. Demande ce que tu veux et je te donnerai. Et intercède. Et j'intercéderai en ta faveur. Et je répondrai à, à ta demande. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa il va penser à nous. Il va dire Ya Rabbi, Ummati, Ummati. Oh mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Regardez les enfants à quel point le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous aime à nous, à présent, de l'aimer. Et celui qui va aimer le prophète alayhi wa il va lui obéir. Il va faire tout ce que le prophète alayhi wa a fait. Donc les enfants, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui dit La ilaha ilallah, Muhammadun Rasulullah, quelqu'un qui dit qu'il aime Allah et qu'il aime le prophète et il ne prie pas. Est ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un qui dit qu'il aime Allah et qu'il aime le prophète, mais il refuse de prier? Est ce que c'est normal de refuser de prier? Est-ce que c'est normal que lorsque ce que ton papa ou ta maman, ils te disent va faire ta prière, tu n'es pas content. Tu es fatigué. Tu es fainéant. Ça c'est pas normal. Celui qui est comme ça c'est quelqu'un qui n'aime pas Allah. Mais si tu aimes vraiment Allah, tu es content de prier. Tu vas prier avec le sourire. Tu es heureux de prier, puisqu'à chaque fois que tu pries, Allah Azzawajal va te donner des grandes récompenses et il va te pardonner de tes péchés. Est-ce que c'est normal, les enfants, que quelqu'un qui dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et il va demander à autre qu'Allah de le guérir, ou il va faire des voeux ou des souhaits pour autre qu'Allah? Est-ce que vous trouvez ça normal, les enfants? Non. Quand tu veux faire un vœu ou tu as un souhait, tu veux demander quelque chose, tu lèves tes mains et tu le demandes à Allah. Mais tu ne demandes pas à la petite souris ou tu ne demandes pas au Père Noël ou tu ne demandes pas à Saint-Nicolas ou tu ne demandes pas à lui ou à lui. Non. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu demandes à qui À Allah.

Il connaît tout. Il sait tout. Il sait tout ce qu'il s'est passé. Il sait tout ce qu'il va se passer. Allah, il sait tout. Regarde, je vais te donner un exemple. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Pense à quelque chose. Voilà, pense à quelque chose. Très bien. Pense à une couleur. Allez, une couleur, une couleur. Pense à un fruit. Pense à un chiffre. Très bien. Est-ce que moi, je peux savoir à quoi vous avez pensé Non. Est-ce que ton papa ou ta maman, ils peuvent savoir à quoi tu as pensé Non. Peut-être que même toi, tu as déjà oublié ce que tu as pensé. Mais Allah tabaraka wa il sait exactement à quoi tu as pensé. Il sait exactement ce qu'il y avait dans ta tête, ce qu'il y avait dans ton cœur. Et il savait même à quoi tu pensais avant que même toi tu aies commencé à penser. Allah Azza wa il sait tout. Ceux qui ont une fenêtre auprès d'eux, à côté de vous, regardez à la fenêtre. Essayez de trouver un arbre. Celui qui voit un arbre, est-ce que vous arrivez à compter le, le nombre de feuilles qu'il y a sur un seul arbre Un seul arbre, même un tout petit arbre, est-ce que tu arrives à compter le nombre de feuilles Non. Sachez qu'Allah sait exactement le nombre de feuilles qu'il y a sur tous les arbres du monde. Dans le monde entier, Allah Ta'ala ta il sait exactement. Quand une feuille elle tombe. La même chose pour les nuages. Regardez les nuages. Est-ce que on est capable de savoir il y a combien de nuages? Non. Mais Allah Azza wa sait exactement le nombre de nuages qu'il a. La même chose quand il pleut. Est-ce qu'on est capable de compter les gouttes de pluie? Non, ce n'est pas possible. Mais Allah tabaraka wa Ta wa Ta'ala, il sait exactement combien de gouttes est tombée. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit Ya'alamouma baina aïdihi wa ma khalfahum. Allah tabaraka wa Ta'ala, il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Également, Allah Azza wa Jal, il connaît même les choses qu'ils ne se sont pas passés mais si elles auraient dû se passer comment elles auraient dû se passer je vous explique c'est plus simple imagine maintenant là tu es chez toi imagine que tu serais à l'école qu'est-ce que tu aurais fait tu serais à l'école comme maintenant ou tu serais au sport toi tu sais pas peut-être tu aurais travaillé peut-être tu serais en train de jouer peut-être tu sais pas exactement toi ce que tu aurais fait maintenant si tu es au sport maintenant si tu es là. Allah tabaraka wa ta'ala il sait exactement si tu aurais été à l'école qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais été dans un autre pays qu'est-ce que tu aurais fait regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala il est parfait. Le coursi, quand on dit ayatul kursi, le coursi c'est pas le trône. Puisque certains ils disent ayatul kursi c'est le verset du trône. Ça c'est une erreur. Le coursi c'est l'endroit où on pose les pieds. Et le coursi c'est. Il est en dessous du trône d'Allah Azza wa Et le coursi ce qu'on peut, on peut dire le repose-pied, il est plus grand que tout, les, que tout le ciel, que tous les cieux, que toute la terre. Et le corset, c'est juste une créature d'Allah. Donc si le corset, il est immense, si le trône d'Allah, large il est immense, que dire d'Allah Allah, il est plus grand, il est plus grand que tout, c'est pour cela qu'Allah, il termine ces versets en disant, «Wahou le très il est le très haut, et il est le euh, très il est le très haut, et il est le très grand, et il Subhanahu le très grand, retenez avec moi les enfants les cinq noms d'Allah les dans Ayatul Kursi, on répète Allah al El Hayy El al El Al-Ali El Al-Azim. Très bien, les enfants. Ahsan on va réciter ensemble Ayatul Kursi. D'accord Comme ça, vous prenez l'habitude de le, de le réciter. Vous pouvez répéter après moi. D'accord Je vais réciter et vous répéter après moi. Même si je ne vous entends pas, le plus important c'est que vous le récitez, puisqu'Allah Azza wa jal vous entend. Donc vous pouvez répéter après moi. Allahu La ilaha. Illahu Al hayyul Qayyum. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض très très bien les enfants donc je vous demande les enfants je vous demande à tous, d'apprendre ce verset. Apprenez Ayatul Kursi. D'accord les enfants, profitez de ce moment pour apprendre Ayatul Kursi. Que chacun d'entre vous l'apprenne. Celui qui fait des efforts, il peut l'apprendre maintenant. Même si tu l'apprends deux jours, en trois jours, en dix jours, peu importe. Mais apprends-le souvenez-vous on a dit il y a dix phrases si tu apprends une phrase par jour tu l'apprends en dix jours donc je vous demande personnellement d'apprendre ce verset et de l'écouter et de le réciter huit fois par jour après les cinq prières au moment où tu vas dormir le matin et le soir Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammad وعلي اله وصحبه اجمعين